Hello YouTube, bonjour, c'est Pouni. Bienvenue sur cette vidéo, cette nouvelle vidéo avec Manchester United. Désolé pour le petit cafouillage. Je réfléchissais en même temps. Alors, la session précédente, nous avions eu une petite clim face à Manchester City où on gagnait jusqu'à la 92e minute, et puis il a fallu qu'on prenne un but à la 95e. Comme des débiles, voilà, tout à fait, voilà. Donc ici, nous avons notre prochain match face à Crystal Palace le 2 septembre. Donc jusqu'à maintenant, pour moi, la tactique fonctionne plutôt bien. Il fallait juste que je regarde. Hey, je n'ai pas oublié. Rashford sur blessure, je me rappelle. Alors, tactique. Toute façon, combien de temps? Ouais, toujours 3 semaines. Donc, de toute façon, il va pas jouer. Nous allons faire jouer. Ah, ouais, mais Højlund, pour l'instant, il est complètement en manque de temps de jeu. On va faire jouer Højlund, on va voir ce que ça donne. J'aurais voulu voir. Alors, tir de loin. Tire de loin 10, donc toi déjà tu vas tirer moins souvent. Voilà. Garnacho tire de loin 10, il va tirer moins souvent aussi. Voilà. Anthony, il a 15, on va lui laisser. Mount, il a 12. Je vais lui retirer. J'hésite. Je vais lui retirer. Fernandez. Il a 16, on va lui laisser. Casemiro. 14, on va lui laisser. Shaw, il a 6. Au cas où, on va lui retirer quand même. Wan-Bissaka. Il a 5, on va même pas se poser la question. On va le mettre à tout le monde au cas où, on sait jamais. Même si un défenseur central a beaucoup moins de chances de tirer au but. Et Varane aussi. Deux en tir de loin, le pauvre. Ok, voilà. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Donc là, nous avons tous les joueurs qui vont enfin arriver définitivement. Est prêt à Utrecht, lui. Trois apparitions. Ils ont fait trois matchs, donc ça veut dire qu'il est titulaire. Enfin, titulaire ou au moins il a joué les trois matchs quoi. Donc voilà, pour le moment je suis plutôt content. Je suppose qu'un moment. Oh. Ah non, 6-8, je me suis trompé. 6-8, deux apparitions. Je suppose qu'à un moment donné, ça va se passer moins bien. J'ai vu qu'il y avait eu enfin une mise à jour. Je suis étonné parce que les dernières news que j'avais, c'est qu'il n'y aurait pas de mise à jour pour le moment. Donc ils ont fait une première mise à jour pour certains bugs. Alors apparemment, ils n'ont changé que les blessures des gardiens. Les autres blessures, apparemment, ce serait de nos faits à nous. Et pas du fait des bugs. Donc je trouve ça bizarre, mais au pire, je vais regarder. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va. Voilà. Parce que je trouve qu'il y a quand même vachement beaucoup de blessures. Et j'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment. Donc c'est à voir. Super venu.
44 millions. Lui, je vais toujours le laisser en sélection. Bon, pour le moment, c'est ingérable, hein, clairement. Niveau... Ouais, 291, ça va. Faut pas que j'oublie que... Ouais, y a Altaï qui arrive aussi. Reguilon, ça va faire du bien. Je ne sais pas si il sera titulaire à la place de Shaw ou pas. Ça, je vais devoir regarder. Ouais. Ouais, ok. Ça me gave. Mais je pense que dans un premier temps. Pas d'offre, ok. Une demande de permis de travail pour Hannibal. Ah oui, ok. Pour signer son contrat, je me dis, mais il est déjà parti à Lyon. C'est déjà fait. Non, c'est pour re-signer. C'est pour re-signer chez nous. Général, ok. Barbosa, il est toujours supervisé. Barbosa, il est gaucher, donc il pourrait jouer là. De toute façon, j'ai pas l'argent, mais. On va l'ajouter à la sélection. Est-ce que je pourrais trouver. Donc, si je prends l'effectif, j'ai défenseur central gauche et Martinez. Et l'autre qui peut jouer là, c'est donc notre ami. Où es-tu? Il y a Evans qui peut jouer là. Evans, ce serait vraiment mon dernier choix. Et donc il y a Harry Maguire qui peut jouer aussi parce qu'il est assez fort du pied gauche. J'hésite vraiment. Je vais essayer de sonder un petit peu pour la saison prochaine et garder lui cette saison-ci, je pense. Défenseur. Ouais, il y avait des problèmes de blessure. Henderson a signé, c'est parfait. Ça commence à nous faire de la maille. Donc on pourrait peut-être même à un moment donné trouver quelqu'un. Recrutement, joueur dans le réseau, je vais chercher, hop, défenseur central, ajouter, non, en général, pied gauche, ouais, pied gauche fort, je vais regarder en listé, voir ce qui se passe. Ouais, donc en listé, il n'y a rien du tout. Ouais. J'ai pas mis en sceptique, forcément. Sinon, c'est pas marrant. Il n'y a quand même personne, en fait. Ouais. Donc, il n'y a personne, j'ai l'impression. Ok. Donc, on va faire tout. Ok.
ben maximum. Je vais remettre un prix maximum, sinon c'est mort. Ouais, mais prix demandé, ça m'intéresse pas. Agent. Si je mets prix demandé maximum 20, par exemple. En reste sur ça. C'est bizarre ça. Il y en aurait si peu. Je vais devoir descendre vachement bas du coup, parce que moi j'ai quand même que 13 millions. Parce que même si je change ça. Mais je peux même pas changer. Je peux pas ajuster. Bah, c'est nul ça. Là, j'ai 13 millions. Je scout juste. 13-20 pour Ito. J'ai trompé. Je vais le scout aussi. Boss Cagli, pourquoi ça me parle? Il a pas joué genre à Monaco ou quoi lui? Ah non, c'est à Nice. Boscagli. Ouais, mais est-ce qu'il est... Maguire est quand même meilleur, j'ai l'impression. Soki. On va le scout. On va voir là. On verra. Je scout et on verra ce qui va se passer. Hannibal signe un nouveau contrat, c'est parfait. Alors, tirage de ça. Tirer toutes les équipes, on s'en fout. Contre Wrexham. Ah. Ça peut le faire, ça. Alors, le tirage au sort. Ah, par contre, j'ai oublié de couper le son. Je pense que je vais me faire strike. Barcelone, Benfica, Feyenoord, Séville, Bayern, Man City, PSG. Barcelone Dortmund, Benfica Inter, Feyenoord Madrid Atlético, Séville Manu. Ah. Ok, Benfica Inter Shakhtar, Feyenoord Madrid Dynamo, Séville Manu Lazio, Bayern Arsenal Milan. Ouf, ouh, le groupe E, il est ouf. Seul. L'Union de Berlin. Ah ben, Séville, Manchester United, Lazio, Union Berlin. Why not?
C'est pas le pire des groupes. C'est pas le pire des groupes. Attendez, désolé, 2 secondes. Désolé, important. Donc voilà, le groupe c'est ça. Bah écoutez, ça aurait pu être bien pire, hein. Ça aurait pu être bien pire. Donc là nous avons, bon d'abord toutes les arrivées et les départs, hein. Jurado, Altay, Reguilón, Alvaro Fernandez, Amrabat qui arrive aussi, ça peut faire du bien. Aussi. Pardon. Il y a Bailly aussi là qui repart. Bailly part le 4, lui. Ah oui, il y avait lui aussi. Offre de contrat. Antonio Silva, une rumeur. Non, c'est beaucoup trop cher. Toujours participer pour voir ce qui se passe. Aussi c'est un j'aurais voulu savoir Reguilón. Il n'a pas d'option d'achat. Ok, et Amrabat 20 millions. On est toujours à 300 000. On a quand même que 13 millions. Ok. Première division, ça s'est fait. Lui, par contre, lui.
Ah oui, il est en prêt, c'est juste. Il est parti qu'en prêt, mais sans de Greenwood? Ça, c'est encore un bug, c'est pas possible. Responsabilité entraîneur adjoint. J'ai hâte d'y être. Alors, est-il rassurant pour vous d'avoir recruté Bindir? Bah oui, tout le monde est content de cet accord. Il est un jeu important joué pour nous. Recruter plusieurs jeunes, est-ce l'intention du club? Il est irresponsable de ne pas. Du club, ouais, voilà. Le tirage au sort également réservé un déplacement à l'Olympico. Jouer, entrer dans un tel stade est un honneur, voilà, parfait. Plusieurs formations anglaises sont en lice. Manchester City, United, Arsenal. Oui. Qui m'intéresse, ouais. Bah, vu qu'il parle de nous en même temps, nous avons de très bons moments, mais c'est également le cas d'autres pays. On va pas se saucer trop non plus. City, on s'en fout. Je parle de Manu. Êtes-vous d'accord pour dire que Séville sera votre plus grand adversaire? Personne ne dira le contraire. C'est un très grand favori. On s'en fout. Voilà. Moi, je pense que personnellement, je ne dois rien acheter pour le moment. Barco britannique et l'accord peut. Nanana, Barco vers Manu, parfait. Bon, il reviendra la saison prochaine. Si je ne me trompe pas, on est bien d'accord. Je pense que je l'ai bien laissé prêter à son club. Chola Short Tire. Oui, on va le prêter, ça dépend. Joueur de rotation, c'est non. Hop, parfait. Rejeté une proposition pour Harry Maguire. Si je reçois une offre, tout est possible. Harry Maguire, de toute façon, ne restera pas dans cet effectif au-delà de la prochaine saison, au-delà de la saison 1. C'est maxi la saison 1. Cercle à prolonger, parfait. Van de Beek qui bougera pas pour le moment, ça c'est sûr et certain. Kurt Zuma, non. Kurt Zuma, il vaut encore 60-80 millions. Après, physiquement, c'est une bête, hein. Niveau défenseur central, niveau vitesse, il est top.
Il est grand, une détente verticale et un jeu de tête génial. Bah franchement, il est pas mauvais, hein. Oh merde. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit encore aussi bon, j'avoue. Que répondez-vous à ceux qui affirment que le recrutement a été finalisé dans la panique? Non, absolument pas. Depuis le temps que le transfert est fait. Encore beaucoup trop, hein. Bon, City est plus haut, mais c'est encore trop, hein. Il n'y a rien à faire. C'est déjà fait. Physique 18, U18. Pourquoi il veut que je retire les sous-caractères? C'est complètement con. Par contre, je vais me mettre en positif pour voir sur ce match-là. Oiloun, c'est quoi son jeu de tête? Bah, il a 13, quoi. À la limite, je vais mettre centre varié pour voir. Quarante-cinq minutes. Comme c'est Crashford est blessé. Garnacho, la limite. Eaton, il va descendre en U21. Bindir et Reguilon. Même si j'ai McTominay, qui lui est milieu centre, milieu récupérateur. Je vais virer McTominay et mettre Amrabat, qui pourrait jouer à place de Casemiro. Ok, Pélistri. J'hésite. J'hésite à le prêter, Pélistri. J'hésite vraiment à le prêter. Personne fait son premier assis à Oilund. Ok, ça n'a eu aucun intérêt, parfait. Le reste, c'est bon. J'ai pas regardé Poluc Show, on verra plus tard. Je verrai plus tard le prochain match ou. Bon, c'est parti pour ce match face à Crystal Palace.
Oh non, hein. Il m'a fait peur. Il me dit, ça y est, il va se prendre une rouge. Motiver nos ouailles. On va voir un peu ce que donne Højlund. Bon, après, c'est un premier match. Il risque de jouer que 45 minutes. On verra. Par contre, je suis pas fan. Ça fait 25 minutes. On a zéro occasion. Je n'aime pas ça. Fernandez n'a pas l'air ouf. Aucune occasion en une mi-temps, ça me va pas du tout. On va directement en demander plus. Allez, jouez vers l'avant. Cette passe là, ça va? Tu veux de l'aide? Tu veux de l'entraînement à la passe? Tu le dis, hein? Ah oui, juste. Il devait jouer que 45 minutes. C'est fou, j'oublie ce genre de détails, hein. Une chose jaune, on va mettre un hola à tout ça. J'ai qu'une occasion en 70 minutes, c'est peu, hein. Tony est mauvais. Fernandez aussi m'en verra à cette place-là. Wan-Bissaka. On va mettre Dalot. On va faire gérer Reguilón. Je pense que pour le moment on va rester comme ça. Toi, on va te dire. On débute qu'une fois. Détendu, parfait. Et vous? Pas de pression, parfait. Mais le. Une occasion en 80 minutes, c'est n'importe quoi. Hein. C'est bizarre parce que... Ça n'était pas comme ça. Je suis pas fan. Je ne suis pas fan du tout. Bon, je leur ai fait savoir, on verra la suite.
descend en flamme, faut pas déconner non plus. Je l'aurais pas tapé dessus. Bon, là, il y a 2 semaines avant le prochain match. Je suis jamais fan de ça, mais bon, au moins. Ah oui, c'est une trêve internationale. Bon, faudra faire gaffe. Ah oui, bah, il se casse. T'es pas ouf en ce moment, va falloir faire gaffe, hein. Technique. Faire tactique, tiens. Faire de l'entraînement tactique. Ok, parfait. Donc ça dit quoi? Recrutement. Je comprends plus rien. Ah oui, non, c'est parce qu'il y a eu le transfert de truc, oui. Oh, il est blessé, super. Bon, ça va, on s'en fout un peu, mais. Parce que là, il reste 2 semaines et il est blessé 3 jours, donc ça devrait le faire. Quoi? Ligue des champions. Ok, parfait. Comme ça, tout le monde est enregistré, c'est parfait! Quand même, hein. Pardon. Pardon, oh dieu. C'est quelque chose. Bon, je vais pas m'enflammer pour un match. On peut toujours avoir des matchs sans, ça arrive à tout le monde. Moi, ce qui m'embête, c'est le une action en 90 minutes. Alors, est-ce que c'est parce que j'en ai demandé à beaucoup d'arrêter de tirer? Le problème, c'est que s'ils tirent et qu'ils marquent pas, ça m'intéresse pas. Si je vois que ça continue, je regarderai à le faire pour certains qui avaient 12 et que j'ai dit non, ou ce genre de conneries. On verra. On verra. Ça me gave, hein, ce délire que Manchester veut pas qu'il y ait le logo. Ça m'énerve. Ah, 7-8. Il a fait un bon match. Ah ouais, avec l'Angleterre Espoir, ouais. Ah, mon problème avec lui, c'est son 4 en déter, quoi. Ça, c'est dommage, hein. C'est pour ça que je le prête. Si je vois que malgré le fait qu'il a 4... Bon, ça m'étonnerait, hein, parce que quand t'as 4 en détermination, souvent... Je sais que j'ai toujours été un peu trop... dans l'exagération pour ce qui est de la détermination, mais 4 quand même, c'est quand même vachement peu, quoi. Et en dessous de 10, je suis pas fan, quoi. Avec la Tunisie, Hannibal, il est quoi lui exactement? Il est tunisien français. Et donc il a choisi la Tunisie. Ah, mais en même temps, en France, à son poste, c'est tellement ultra bouché.
Je peux comprendre le monsieur. Je peux comprendre. Bon, après il y a Burnley à domicile, on verra ce que ça donne. Un Pélistri. 30 minutes, une passe D. Connor Gallagher veut un nouveau contrat, demande à partir. $81 millions. LOL, et son contrat finit en 25. Ouais, donc c'est mort. Il est quoi lui exactement? Milieu centre récupérateur, donc c'est non. De toute façon, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin, trop cher, son contrat finit dans trop longtemps. C'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'il va falloir aussi, le problème, c'est que j'attendais de voir si la tactique prenait. C'est qu'il faudrait que je mette chaque joueur à l'entraînement de leur du poste auquel je leur demande de jouer. Jeu sur les ailes. C'est la tactique. On verra ce que ça donne, hein. Info club ou c'est où je vois les prêts. Normalement, je suis censé le voir quelque part, les prêts, mes joueurs en prêt. Mason Greenwood. Qui se casse. Je pensais vraiment qu'il partait en transfert et pas en prêt en fait. Ah oh oui, il y a un Séville. Oh là là. Oui, il y a un, deux, il y a 3 jours quoi. Ça va être chaud de night.
18, c'est parfait. Bon. Comment ça va aller face à Burnley? Je me demande si je vais pas devoir faire tourner 2-3 postes. Bah après, comme il y a eu 2 semaines de... 2 semaines de... Pas de vacances, mais... Allez, on aimerait voir ce que ça donne. Je ne sais pas si je ferai le match de Séville aujourd'hui, sûrement que si, mais on verra. Sancho Rashford, oui, on verra. J'aimerais quand même mettre Højlund en forme, histoire que déjà de voir ce qu'il donne. Par contre, Anthony s'entraîne quand même vachement bien, Maguire non. Ça me les briser. Tu commences à me les briser menu. Bon allez, faut gagner, hein. C'est Burnley. On est à domicile. Je veux une victoire, même si je fais tourner un tout petit peu. Je vais voir un petit peu ce que ça dit dans l'équipe. C'est quand le match? Bah c'est maintenant, ok, parfait. Bindir, il a que 2. Un problème de blessure aussi. Comparé à notre ami André Onana. Oh ouais, Onana est largement devant, on est bien d'accord. Hein. Je vais faire jouer Dalot. Varane Martinez. Là, j'ai envie de faire jouer Reguilon. Un petit peu. Casemiro, à mon avis, va jouer quand même. Fernandez, Mount. Mount, je vais faire jouer Eriksen. Anthony, j'ai envie de faire jouer Pellistri. Hein? Non, bah il est fatigué. Pas de bol. Garnacho et lui, quoi. Hop. Qu'est-ce que je vire de là? Bah, Maguire et en faire rentrer Højlund. Je change juste Eriksen, Reguilon, Dalot. C'est pas énorme comme changement, donc ça me va. Il me demande de me mettre en offensif, on va peut-être pas déconner. Satisfait, tout le monde a l'air bien satisfait de ce qui se passe. Ça me semble parfait. J'ai oublié de le faire le match avant. Acceptable du gauche. Bah, de toute façon. Meilleur passeur. On va faire le mauvais pied. Taylor. Mauvais pied. Lui. Mauvais pied. Brune Larsen que je connais très bien parce qu'il a joué à Anderlecht. Il est assez fort donc lui on va rien dire. Lui il est où? Tombe dans mon coin. Mauvais pied pour Brunil. Si tu veux. Et là. Un pressing dès qu'il perd le ballon. Monsieur que je connais très bien aussi. Bon,
Bon, bah, on va y aller comme ça, on va voir ce qui se passe. Il nous faut une victoire. Je répète, c'est Burnley, on est à domicile. Joli ça. C'est dommage que ça n'aille pas au bout. Ah oui, c'est ça que je devais changer à chaque fois, j'oublie. Oui, oh dommage. Bien Dalot. Je ne pense pas qu'il y ait pénalty, je pense qu'à coup franc, il me semblait bien. Corner. Anthony, t'as quand même une meilleure stat de frappe que ça, quoi. Plus. Anthony commence à me gonfler, lui. Là, je dis ça et il va aller me mettre un but ou un truc. J'ai un problème avec les corners courts, il n'y a rien à faire. Bien Martinez. Allez Anthony, allez, allez. Ta. Parfait, le retour défensif. Je vois de la volonté comparé au match d'avant déjà. Et je crois qu'il y a hors-jeu. Je crois qu'il y a hors-jeu. Ouh. 1-0, parfait. Ne vous relâchez pas. Garnacho, vous jouez vraiment très bien. En revanche, Anthony Eriksen, Casemiro, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites pour le moment. Il y avait un jeu. Allez, c'est quoi ces passes-là, sérieusement? Ah bah ouais, bah oui, avec des passes comme ça...
Oui, ben c'est vu, c'est bon, on a vu ton but. M'en fous, je critique, à un moment donné, ça va pas, quoi. Allez, les gars, quoi, on est chez nous. Oh! Ah, bah, un but d'Anthony, tiens. Sur une passe de Fernandez, les deux moins bons de l'équipe. Casemiro est pas ouf non plus entre nous. Faire jouer Amrabat. Martinez est fatigué, mais faire jouer Luke Shaw. Eriksen n'est pas bon. Faire monter Mason Mount. C'est quand même le match de... Mais à mon avis, on ne fera pas le match de Séville. Il y a déjà 55 minutes de vidéo. Bon, tant pis pour Eriksen, il sort, mais au moins il aura mis un but, je suis content. Celle-là, elle aura été dans la douleur. Sérieux, il faut arrêter ça. Vous ne pouvez pas vous faire manger physiquement comme ça. Sérieusement, à chaque fois, c'est eux qui ont le deuxième ballon, quoi. Reguilón fait pas un match de ouf non plus. Mais bon, ça va, c'est un de ses premiers matchs, il a 6-5. Bon. Allez, allez, allez. Merci. Ouh. Ah, celle-là, elle aurait été dure. Garnacho, il est bon. Hein. Bon Dieu. Bon, ah ben voilà, on va s'arrêter là, on reviendra pour le match de Séville, ouais, Anthony, ok, parfait, ok, donc ben voilà, encore un grand merci à vous, à la prochaine, et ciao, bye YouTube.